Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à mon nouveau stream. Donc ça faisait 3 semaines sans stream depuis mes 5 streams de Beyond Good and Evil. Et là je reviens pour un peu de DayZ en attendant GTA V. DayZ qui traînait sur mon disque dur depuis le début quoi. J'avais commencé avec le mode sur Arma 2. Et après j'avais acheté le standalone et une des plus grosses erreurs de ma vie. J'avais joué un peu au début et là j'avais un peu abandonné. Salut Zed. Donc salut Zed, salut Rada, salut Chatback, salut Bultom, tous ceux qui sont là. J'ai oublié de vous saluer. Ouais, donc comme je disais, j'avais un peu abandonné. J'avais joué au début du standalone sur DayZ. Ça faisait un an que j'ai à peu près que j'avais abandonné le jeu. Donc je vais pas trop pouvoir vous conseiller ou quoi. Enfin, je suis pas un pro du jeu quoi, contrairement à, je sais pas, Star Citizen où je connais bien. Là je suis pas un gros pro. Je vais tenter aujourd'hui d'improviser techniquement. Donc aujourd'hui, donc il y aura un stream, une qualité pourrie. Par contre, je tente l'enregistrement en qualité 720p 60 fps pour ensuite le replay sur YouTube. On va voir ce que ça va donner. Je tente aujourd'hui d'innover. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, je me suis foutu hors ligne sur Steam parce que Bultom a commencé à me spammer. On verra en cours de route si je reviens. Si je reviens, je ne sais même pas où sont mes amis. Voilà. Allez, je reviens en ligne. Alors, là vous avez mon personnage par contre. J'ai pas recommencé avec un fresh, on verra, je vais sûrement crever assez rapidement. Donc là c'est mon personnage en ce moment, je suis un peu. Ouais, je suis pas armé quoi, j'ai juste eu une masse. Après vous admirerez mon élégance. Avec une magnifique veste de, je sais pas, sapeur-pompier. Un sac à dos Quechua, un Made in Decathlon, un magnifique pantalon. De l'armée. Donc on va commencer, on va rentrer sur le serveur. Normalement je joue sur un serveur français sans trop de ping. J'espère qu'il va faire jour parce que j'aime pas jouer la nuit. Ok, il fait jour, c'est bien. Normalement, hop, on va passer en troisième personne, je préfère. Voilà. Ok, ça rend bien, je suis à 20 FPS, c'est pas grave. Donc voilà mon magnifique personnage in-game. Donc je sais pas, est-ce que vous connaissez déjà DayZ? Alors non, on peut pas jouer à gratos à DayZ. Arcane Elric, il faut payer le standalone. Qu'est-ce que je pourrais. On va un peu se baisser quand même, on sait jamais s'il y a des mecs qui traînent. Est-ce que vous connaissez déjà le principe de DayZ? Oui, Rada, c'est un mode, non pas issu d'Arma 3, mais d'Arma 2. C'est un survival zombie. Oui, alors ça se joue sur un. Donc c'est online. Ça se joue donc sur un serveur où il y a des gens. Là par exemple, attends, c'est quoi déjà la touche CP? Donc là, il y a. On est quoi? 10-15 à peu près sur le serveur, grosso modo. Donc, voilà, là il y a 10-15 personnes sur le serveur. Donc on est sur la map d'Arma 2. Tchernarus. Modifié pour le standalone, et le truc c'est que on va tenter de survivre sur cette grande map, bien plus grande que GTA V, mais aussi beaucoup plus mal foutu. Enfin, il y a beaucoup de vide quoi, faut aimer la randonnée. On va peut-être pas aller en ville tout de suite. Et donc, il n'y a pas. Enfin, le but c'est vraiment de survivre, et c'est après un système de mort permanente. Si vous crevez, eh ben vous redémarrez à poil. Mais à poil. Avec, j'avais envie de dire avec ta bite et ton couteau, mais t'as même pas de couteau, donc c'est vraiment avec que ta bite. Ça ressemble à la Russie. Oui, c'est normal que ça ressemble à la Russie. C'est tiré d'une vraie partie de, peut-être pas de la Russie, mais de la République tchèque, il me semble, parce que les développeurs sont tchèques. Non, le jeu n'est pas à l'abandon, Quickshot, puisque j'ai vu encore une mise à jour mercredi dernier qui a bien pourri le système de zombies. Apparemment, je suis allé voir rapidement mercredi les changelogs, et depuis, bah, les zombies passent à travers les murs et ils te tapent à 20 mètres. C'est bien buggé, donc à chaque fois qu'ils font un patch, ils rachètent des bugs.
Je crains le pire et l'omniprésence de brin d'herbe. On verra si ça pixelise beaucoup. Normalement, j'ai réglé les paramètres pour éviter que ça pixelise trop. Bon, ça rame juste à mort. Voilà. Je suis à 20 FPS. Je suis en mode console. Mon magnifique personnage. Je vais pas faire comme les streams de Gracu. Je vais pas passer 3 heures à dessiner la tronche de mon perso et à choisir quel vêtement il va porter. De toute façon, t'as pas trop le choix. Tu portes ce que tu récupères. Je vais juste vous montrer l'interface pour accéder à son équipement. Donc là, on peut voir que je suis energized et hydrated. Donc j'ai assez bu. Donc le mec est content. Bon, par contre, je me suis fait toucher par des zombies il n'y a pas trop longtemps. Donc il y a peut-être moins de couleurs que prévu parce qu'en fait, là, il n'y a pas de barre de vie et la barre de vie, c'est les couleurs à l'écran. Plus ça vire vers le gris, moins vous avez de vie. Et plus justement, vous avez de couleurs, donc c'est que vous êtes à moins de santé. Donc là, ça tire. Bon, encore, ça tire pas trop vers le gris. J'ai bien bouffé entre temps. Ça va. Donc, oui, qu'est-ce que j'ai alors? Qu'est-ce que j'ai là? Je vais vous montrer rapidement comment on se sert de l'interface. Donc, je dois avoir dans mon pantalon, j'ai une bouteille d'eau, j'ai des boîtes de sardines. Donc, la seule arme que j'ai, c'est le Sledgehammer, qui est badly damaged. Donc, il va pas tarder à crever. Qui fait 9 kilos. Donc j'ai dû récupérer des painkillers pour la douleur au cas où. Je dois avoir des balles mais j'ai pas de revolver. Je dois avoir une lame torche, des sardines. J'ai du scotch. Le scotch sert beaucoup dans un univers apocalyptique. C'est grâce à ça qu'on peut attacher des trucs quoi. Comme du scotch quoi. J'ai de la corde. J'ai des balles, j'ai des boîtes de conserve. Donc je vais bouffer un coup. J'ai un couteau. J'ai un couteau. Peut-être qu'on testera le suicide tout à l'heure, parce que maintenant on peut se suicider. Si pour comme ça, je partirai sur du fraîche. J'ai un long scope qui me sert à rien parce que j'ai pas le pistolet qui va avec. Je crois que j'ai encore plus de painkiller. Un truc pour couper. Une autre bouteille de flotte. Qu'est-ce que c'est ça? Burlap sac. Ah oui, c'est pour. Hein. C'est un sac à patates. Mais on peut mettre sur la tête si on fait des prisonniers. Comme ça, on l'amène et on le traîne dans la forêt, et on le viole. Voilà, y a des trucs de. Des rois de flair pour faire de la fu de l'éclair. Pour s'éclairer, quoi. Qu'est-ce que. J'ai une paire de jumelles, c'est sympa. Donc, allez, je vais manger une boîte de sardines. Boîte de sardines que je vais ouvrir. Ah oui, parce que pour manger les sardines, en fait, il faut que je commence par m'équiper de mon arme. Hop, je prends mon arme et normalement, je peux ouvrir la boîte de sardines. Ouais, je peux ouvrir la boîte de sardines avec mon sledgehammer. Et elle va apparaître là-dedans. Donc bien sûr, un sledgehammer, c'est pas une ouvre-boîte, donc j'en fous 56. Enfin, il m'en reste que 56% à la fin. Et voilà, j'en ai foutu la moitié à côté. Donc on va tout manger. Donc, miam 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 miam, des sardines. Miam miam, c'est cru, mais c'est pas grave. Miam 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 miam. Ah voilà, qu'est-ce que c'est bon les sardines. Ouvert avec mon sledgehammer. Et après une bonne sardine, qu'est-ce que j'ai? Je vais me faire une bière. Allez, de la Rasputin Kvass. Pour faire passer la sardine. Bloup 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 bloup. Voilà, c'est génial. Je crois que ils ont mis maintenant. Attendez. Donc avant, donc on peut faire coucou, on peut faire, hey, je me rends. F3 c'est quoi? Ah vas-y, fais F3. Bon, F3 ça fait rien, ah, bouge toi. Arrête, baisse tes bras quoi. F3. Ah oui, F3, il se fout par terre. Ok, il s'assoit. F4, F4, je ne sais pas, F4. Donc F5, il applaudit. F6, haha. Il fait son Nelson. F7. Ouais. Il n'y a plus le bras d'honneur. Oh, le facepalm. Voilà. Ils ont rajouté le facepalm, le truc qui sert à rien. Ouais, tu chutes. F10. Ouais. Donc ça, c'est pour te faire comprendre tes intentions. Et F11, normalement, c'est pour suicider. Mais là, comme j'ai pas d'arme à main, ben, normalement, il va se mettre à genoux. Mais il va juste prendre ses doigts. Donc, je peux pas me suicider pour l'instant. Parce qu'il faut prendre une arme à main. Et comme ça... Tu peux te suicider si t'as envie.
Tu ferais un terrible acteur, Jack. Ouais, ça va. On peut y monter une tente. Alors, j'ai trouvé une tente, mais j'avais pas assez de place dans mon sac à dos pour l'amener, donc j'ai pas pris la tente. Mais sinon, ouais, on peut la mettre dans la forêt et c'est une. On peut stocker ses objets en attendant. Donc, vous voyez les super features de la mort qu'ils ont rajouté dans DayZ au lieu de se concentrer sur le cœur du jeu et de faire des zombies qui marchent ou d'optimiser le moteur graphique. Donc, ouais, on peut faire un facepalm à la place. Donc là, je suis pas trop loin d'une ville, donc on va aller rôder en ville et on va voir si on crève ou pas. Normalement, il y a un supermarché en ville, on va aller faire les courses. Donc on va s'approcher doucement, on va voir. De toute façon, ça va être un gros fail ce stream parce que je suis tellement bon. Bah, je tourne à combien là? Je suis à 20 FPS à peu près. Donc hop, la magnifique animation pour enjamber. Y a pas trop de son, hein, y a pas de musique dans le jeu. Salut Adrien! Bienvenue sur un stream de merde. Putain, mais Sarah! Bon, ok, je veux bien que je perde à peu près 10 FPS à cause du stream. Et du soft que j'utilise. Oh putain, un zombie! Oh putain, je me suis fait choper! Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Il va durer encore moins longtemps que prévu ce truc. Ah, mais putain, ça touche pas! Putain, ça touche encore moins sur Battlefield quoi. Pop pop pop. Ce stream n'aura pas duré très longtemps. Alors là aussi, comment il m'a vu le truc quoi. Eh, il est mort. Ah pas, non mais non, il est pas mort en fait. Ah. 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 Il va pas crever ce putain de truc. Putain, il est mort. Et là, bien sûr, je suis bleeding, donc là je prends un rags et je use un rags parce que je veux me soigner. Alors Adrien, quand tu dis il y a du délai par rapport sur le chat ou juste sur le jeu? Parce que oui, il y a un putain de délai à chaque fois ça touche jamais quand tu te bats au corps à corps contre les zombies, c'est une horreur quoi. C'est. Ah non, mais les zombies en plus, depuis le dernier patch, ils sont supra costauds quoi, d'apparemment depuis le patch de mercredi. Et. Enfin, c'est. En plus, tu fous un coup sur 10 à côté. Donc, je te dis pas. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, le truc, c'est de visiter les baraques pour trouver de la bouffe. Voilà, grosso modo, quoi consiste DayZ. En plus, vu que tout est ouvert, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là. Oh putain, il y en a de zombies. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Oh putain, il y a deux, trois zombies là. Ça m'a le barré. Il y a du délai sur le chat là, Adrien? Je sais pas, qu'est-ce que. Ouais, avant avec une hache, il creve vite ça, mais là. C'est une horreur quoi, les mecs ils sont trop costauds quoi. C'est une horreur quoi. C'est une horreur ce jeu. Alors là je suis mal barré. Bon, allez, je vais me faire un. Qu'est-ce que je vais me boire un coca quand même en attendant. Ah merde. Pourquoi tu te lèves pour boire un putain de coca? Tu peux pas le boire allongé? Bon, on va essayer de l'éviter. On va le contourner. Merde, c'est mal barré. Ah, mais tu vas l'enjamber ce putain de truc? Oh putain! Ok, je suis debout. Ok, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a pas vu. Il est con, il est pas con. Oh, ça va le chat, 10 secondes, bon, c'est pas. Ah, ok, il m'a vu. Ah! Et je vais recrever. Je me barre.
Voilà, j'ai fermé la porte. Tu te casses. Donc là, normalement, il va traverser la porte. Ah, je peux pas la fermer celle-là. Ah merde, il contourne. Il contourne, il contourne. Ah! Headshot, ou pas? Putain, je suis en train de taper dans le vide, je sais pas où il est passé. Bon, mais il a dû passer à travers la texture. Ah, il est en retour. Putain, je me fais violer là. Ah! Putain, c'est bruitage digne d'un. Ah, il est mort. Et je suis même pas bleeding. Putain, vous avez vu ça? Fou. Eh ben, ça commence bien. J'ai pas fait deux baraques, je suis déjà bleeding. Pourquoi il marche ce con maintenant? Et pourquoi t'as une jambe là? Ok, j'appuie sur quelle touche? Non, c'est pas ça. Oh. Allez, maintenant, le truc qui me... Oh putain, encore un autre. Oh, je crois que je vais repartir avec un fraîche là, ça quoi. Ah! Finalement, moi, faut que je reste dans les bois. Hein. Faut pas que j'aille en ville. Ok, il est mort. Je suis bleeding, c'est pas grave. Juste machin. Si, si, je peux rencontrer des vrais joueurs sur le map, mais en général, t'évites. Surtout quand t'es comme moi, que t'as juste un marteau, quoi. Bon, allez, qu'est-ce que je pourrais bouffer là? Tac, tac. Boîte de spaghettis, on va tout bouffer pour prendre un peu de vie. On va se faire des spaghettis. Des spaghettis. En plus, la boîte elle est invisible maintenant. Putain, c'est bug. Même je mange à travers dans une boîte invisible. J'ai fait un mime. Mais pourquoi il marche, ce con là? Soit je. Putain, j'appuie sur quelle touche là? Soit je cours, mais il n'y a pas entre les deux, putain. C'est quoi déjà? Putain, je sais jamais. Strafe turbo, fast forward deux fois, ouais, mais ça c'est pour courir. Ah, left shift, qu'est-ce que j'ai appuyé? J'ai appuyé sur left shift. Walk around toggle, ah, deux fois left shift, ça va être ça. Ah ouais, c'est ça, c'est deux fois left shift. Non mais là comme je t'ai dit, il y a 10-15 joueurs sur la map, sachant que la map a fait quoi dans les 200 km², 20 par 20 ou 25 par 25 km. Donc oh, j'ai trouvé un chapeau. Oui, alors dans ce jeu, il y a encore plus de chapeaux que dans Team Fortress 2, faut le savoir hein. Et j'ai trouvé un grey hoodie. Mais je m'en fous parce que j'en ai déjà un autre et celui-là il a que 4 emplacements alors que le mien j'ai un jacket avec 6 emplacements. Bon pour l'instant c'est pas très utile. Non mais je vais rapidement crever de toute façon. Normalement il y a un super marché en ville, on va aller voir par là. Par contre, en général, je cheat un peu, j'utilise la map. J'utilise sur un écran à côté la map du jeu. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, comme j'ai les trucs de stream, ça va être compliqué. Ouais, du lait en poudre. Ouais, itol. Je vais boire du lait en poudre. Enfin, manger du lait en poudre. Ouais, c'est ça, Rada, t'as 15 joueurs sur à peu près 200 km² à peu près. Mais bon, en général, ils traînent tous dans les mêmes zones, donc. Sauf que des fois, tu te retrouves en pleine forêt avec un joueur à côté de toi. Et il te fout une balle directe.
Sachant que les serveurs, ça doit être un serveur de 40-50 et ils viennent de faire des serveurs à 100, à 90. Mais vu comment c'est perf sur des serveurs à 40, j'imagine ce que ça doit être. Donc là, j'ai chopé des balles, c'est cool, j'ai pas d'armes, de toute façon, toujours. Encore une casquette, un chapeau. J'ai quand même tué 3 zombies depuis le début, hein. C'est pas trop trop mal. Mais c'est très vide après, il y a beaucoup de zombies. Hein. Et qu'est-ce que ça rame, putain. Eh, pourquoi il bouffe le mec, quoi? Je voulais ouvrir, quoi. Je vais ouvrir la porte. Ah, parce qu'encore ce con, il doit avoir le lait en poudre dans la main, c'est pour ça. J'entends des bruits là. Ah oui, effectivement, j'entendais un bruit. Bon, y a quoi là? Pas d'armes, y a pas un flingue qui traîne. Bon, en même temps, tu sais, quand tu dis choper un sniper, mais bon, hein, y a tellement de latence, c'est tellement pas précis que. Pff. Allez, il m'a vu, putain, allez, bam! Mais bouffe! Putain, ça touche pas! S'il avait autant de ping, Rick Grimes, ça ferait longtemps qu'il serait mort. Hein. My leg is in pain. C'est pas grave, regarde, j'ai des vitamines. Vas-y, prends des vitamines. Des vitamines. Ok, je dois avoir des painkillers qui traînent. Hop, painkiller. Vas-y, prends des painkillers, ça doit te faire du bien. Ok, allez, on va prendre un deuxième, ça va te faire pas te faire de mal. Des painkillers, allez. Allez, une petite gorgée pour faire passer le tout. Ah, ça va mieux. Alors, un des trucs les plus chiants dans le jeu, c'est se péter une jambe. J'ai essayé. Et se péter une jambe sans pouvoir se suicider, bah, t'es condamné à ramper. Jusqu'à ce que tu crèves. C'est très chiant. C'est très 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 chiant. Dans quoi on peut aller voir? Oh, il y a quoi là? Une chemise! Et un. C'est quoi ça? Fishing hook. Putain, le truc il sert à rien encore. Ouais, parce que maintenant je crois qu'on peut pêcher. Mais il faut une canne à pêche. Là j'ai que l'hameçon. Une chemise. Une chemise qui... là il avait mal à la jambe. Donc j'ai pris juste des painkillers. Ça devrait aller. Je me l'étais pas pété la jambe. Si tu la pètes, il te faut soit ou des attelles. Soit tu peux crafter avec du scotch, de la ficelle plus des branches. Tu dois pouvoir crafter un truc pour la jambe. Ouais, il me semble Zad qu'on peut pêcher, ils ont rajouté plein de trucs de craft dernièrement. De toute façon, il n'y a que ça qu'ils ont rajouté des trucs de craft. Un bonnet. Putain, mais il n'y a rien à bouffer quoi. Y a pas un flingue quoi. Oh, de qui? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Fais gaffe, c'est très violent comme jeu. Donc là, je tourne à combien? Je tourne à 20 FPS à peu près toujours. Hein. Alors que cet après-midi, j'ai joué à Bioshock Infinite et j'ai été à 300 FPS avec mes nouvelles cartes graphiques. C'était très bien. Mais c'est un jeu optimisé. Black Bomber Jacket. Alors que là, bah, ils ont rien fait, quoi, les mecs. Ça, j'ai regardé les cartes graphiques à toi. Donc j'ai deux cartes graphiques. J'ai deux 970 qui tournent toutes les deux à 20%. Super. Le Proco, il tourne à 10%. Et voilà. Oh putain, un zombie. Un autre zombie encore. On va se barrer. Il est où ce putain de supermarché?
Pizza Presto. Il y a un truc là-dedans. S'il y a une pub pour Pizza Presto, il y a bien de la bouffe. Oh, il y a quoi dans le petit cabanon? Il y a rien. Il y a rien ici. Tous les intérieurs, c'est les mêmes, quoi. Les mecs, les pros du copier-coller dans le jeu. Je m'emmerde à faire un enregistrement à 20, à 60 FPS. Et putain, je tourne à 20, quoi. Je me demande pourquoi je fais ça. Sinon, je ne sais pas. Je continue. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vous laisse décider du sort de mon personnage sur le chat. Tapez 1 pour. Pour je sais pas, pour qu'il aille chercher de la bouffe. Tapez 2 pour qu'il se fasse bouffer par les zombies. Tapez 3 pour qu'il se suicide et qu'on recommence avec un nouveau perso. Tapez 4 pour le jeter en haut d'une falaise pour qu'il se pète une jambe. Ma leg is painful. Ah putain, mais j'ai pris des cachets, quoi. Ah là, il y a un gros bâtiment, on va aller là. Aïe, échelle. Ils me suivront pas. Si encore j'arrive à la grimper. Tellement de bonnes animations. Je chercherais bien la merde avec des mecs, mais il y en a pas. Attendez, je dois avoir. C'est quelle touche? Non, celle-là. Donc j'ai un mec qui a Parkinson parce que vous avez vu comme ça tremble. Tellement stressé. Donc je peux regarder, mais je vois rien. Je ne vois personne. Là, s'il faut, il y a un sniper qui me regarde quelque part, qui va me foutre une balle dans le pruneau, hein, mais. Il n'y a pas de pouf, non, de qui? Il n'y a pas de pouf ici. Il hein. Y a déjà y a pas beaucoup de bouffe, alors la pouf, il y en a encore moins. Eh, mais on peut grimper encore plus haut. Et je grimpe, je grimpe, je grimpe. Pour un truc où il n'y a rien de toute façon, donc je redescends. Non mais Rada, ce que tu comprends pas, c'est que tu mets plus de zombies sur le jeu, le serveur ne tient plus quoi. Si t'as aussi peu de FPS, c'est parce que le serveur ne tient pas la charge. Tout est calculé côté serveur, je crois. Et en plus, je sais pas si c'est toujours le cas, mais les serveurs, ils leur faisaient rebooter toutes les 2 heures pour faire respawner les zombies et la bouffe. Parce qu'avant, la bouffe ne. Je crois que maintenant ils ont corrigé un peu ça, mais la bouffe et les zombies ne spawnent pas tout seuls. Donc, ils rebootaient les serveurs toutes les 2 heures, quoi. C'est vraiment magnifique. Hein. Et là, comme tu calcules le côté serveur, je crois, ben, c'est pour ça que tu as des perfs aussi pourris parce que le serveur est pourri. Bon, allez, moi je vote parce que là j'ai la flemme de remonter, donc je vais sauter. Je risque de me casser une jambe là. Donc, oh, puf. Ah, ben non, en fait, je suis mort. Je suis mort parce que j'ai sauté dans un muret de 2 mètres. Je ne suis vraiment pas solide. Bon, on va recommencer. Et respawn. Are you sure to respawn? This kill kill you or current character? Il est un peu mort quoi déjà de toute façon. Putain, en plus faut attendre 30 secondes quoi. Putain, mais j'ai sauté d'un truc de quoi? De 2 mètres. C'est un mec, il a tué quelques zombies avant et il meurt parce qu'il est sauté d'un truc de 2 mètres. Et non, il n'y a pas d'animation. Ah, c'est. Il n'y a même pas un plus d'écran à la Dark Souls. Vous êtes mort! Non, là, c'est. You're dead. Et voilà. Ah, salut Bardak, tu arrives au bon moment. Ok, donc là, bah, c'est moi qui viens de respawner sur la plage.
Donc là, on est au bord de l'eau et on est à poil. Donc là, je peux regarder. Tout ce que j'ai, c'est une paire de jeans, une lampe torche et une paire de godasses. Donc le premier truc qu'on fait, c'est que on enlève son t-shirt et on en fait des bandages. Ça va servir. Donc là, on est en. Donc là, de toute façon, il n'y a pas un pet de bouffe. Donc le truc, c'est faut rentrer le plus vite possible dans les terres. Non, là j'ai plus rien puisque je t'ai dit que c'est. J'ai expliqué au début que c'était de la mort. Merde. Là, une fois que tu meurs, tu respawns à poil, tu perds tout ton équipement. Et le but du jeu, c'est de retrouver encore de l'équipement et de recommencer. C'est la mort permanente quoi. C'est pas je respawn avec tout mon équipement. Par contre, si t'es pas trop loin, ton cadavre doit toujours y être. Ouais, c'est ça, c'est permadeath. Ton cadavre doit toujours être là-bas. Et tu peux looter ton propre cadavre. Mais là, tu respawns à poil. À poil, je peux me foutre à poil quoi. Je peux virer mon jean, je suis à poil. Tu vois, j'ai. Hop. Hop, plus de jean, plus de godasses, je suis à poil. Bon, je garde quand même les racks parce que ça va sûrement servir. Donc, le truc, c'est qu'il faudrait trouver une ville pour se repérer. Bon, alors là, en plus, comme c'est en Russie, tout est écrit en cyrillique. Ou en tout cas, dans les pays de l'Est, voilà, tout est écrit en cyrillique. Le loot bug toujours, bardak. Alors là, j'en sais trop rien, vu qu'on n'en trouve pas du loot. À part des chapals, j'ai pas trouvé grand-chose. Hein. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai dépassé les 30 FPS vu que je suis plus en ville. Ah, voilà, et là il a faim le mec. Je crois que maintenant on peut crafter des. On peut chercher dans les buissons des. Des berries. Je crois qu'ils ont mis des pommiers aussi, mais je sais pas dans quel. Des fois il te dit quand tu t'approches d'un buisson, est-ce que tu veux chercher des berries? Bon, ça doit pas être les bons buissons. Et je crois que tu peux après chercher des pommes et je sais pas comment ça marche. Je connais pas ce jeu. Donc là on va rusher, on va espérer trouver un truc. Le must que je faisais dans le mode, c'est que tu trouves une vache ou une chèvre, tu la découpes à la hache, tu te fais un bon petit barbecue et tu t'as un bon steak. Mais je crois qu'ils ont remis les animaux. Au début, ils étaient pas. Ils ont remis les véhicules. Si t'en trouves. Parce qu'ils étaient pas aussi au début du mode. Oui, c'est ça à peu près, Eric. Eric. Arcane Elric. Tu te fais chier à regarder un mec qui court et qui se fait chier. C'est un peu le principe de Daisy. C'est Randonnée Simulator ce jeu. Concours et on va espérer tomber sur un village. On suit une route. On tombera bien sur quelque chose. J'ai oublié de préciser aussi, le mec est asthmatique. Il souffle très vite. Y a pas de stamina, mais je crois qu'il peut mourir d'une crise cardiaque. Ce qui est une autre façon de mourir. Tu as des voitures, mais en fait, en général, tu tombes sur un cadre de voiture et il faut trouver les pneus, le moteur, la batterie et les trucs comme ça. Donc il faut crafter les objets pour refaire une voiture. Que tu vas péter au bout de 100 mètres à cause d'un bug. Oui, je sais que t'as faim. Ah, putain, il n'y a pas de ville par ici. En plus, c'est con à cause de ma mort, j'ai même pas pu tester l'animation de suicide. Ah, mais ça tourne en plus et pourquoi on revient. Oh putain. Je pensais que. Allez, on va monter sur les hauteurs, on verra.
On verra mieux. Alors oui, dans DayZ, le mec marche quand il doit grimper une côte. Donc il faut la prendre en diagonale. Donc là, il court un peu comme ça. Ouais, Bultum a disparu, mais là, tu sais, Bultum, il est quelle heure? Il est 21h37, il va être au lit là, il crevait. Ouais. Ah bah j'ai rechopé la route, comme quoi, hein, j'ai bien fait. I need a drink, putain, mais moi aussi j'ai un need a drink, quoi. Oui, on peut récupérer des voitures, d'ailleurs, là il faut les chaînes, hein, je crois, je sais plus ce que c'est. Mais oui, il y a des voitures, si j'en trouvais, mais... Ah toi, Cisa, tu as acheté ça 25 € et t'as mal au cul? Ah, on n'achète pas tout seul, hein? Ah mais Bultum il est toujours en ligne sur Steam sauf qu'il dort hein. Tu sais moi aussi je peux être en ligne 24h sur 24 sur mon téléphone hein. Y a pas un putain de village dans le coin? Bah non tu peux pas le tipiaque, c'est un jeu multi sur des serveurs. Si t'as pas une vraie licence tu peux pas le tipiaquer. Ah, je sais plus, c'était 20 ou 25. Ah, c'est pas une maison là-bas? Ah, oh, je crois que c'est une baraque. Ah, oui, il y a un énorme potentiel, Radash. Je suis d'accord avec toi sur le papier. Le potentiel est juste génial. Et après, dans les faits, c'est juste. C'est pas optimisé, c'est ultra buggé. Ça fait 2 ans que c'est comme ça, quoi. Mais je me suis bien amusé sur le mode et tout ça, et même sur l'âge, tu peux passer des bons moments, mais pff, ça évolue pas quoi, c'est ça. Faudrait qu'à un moment ça évolue un peu quoi. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait spam. Ah merde, c'est pas le bon. C'est lequel fait spam? F6, non? F8? Ah voilà. Ah putain, c'est quoi ce jeu de merde? Ah putain, y a un zombie. Bon, il y a un zombie et je suis à poil. Donc là, je crois que je vais pas l'affronter celui-là. Sauf que le truc que je voudrais voir en fait, c'est le panneau de l'entrée du village pour savoir où je suis. Quoi, tout le gars? On a tourné. Oh putain, encore en zombie. Il y a trop de zombies dans ce jeu. Sachant que je suis une buse, je risque de mourir assez rapidement. Oh putain, une paire de godasses. Bon, je peux pas les bouffer, mais. Bon, je suis hungry, je suis thirsty. Mais j'ai des chaussures en cuir. Ouais, une veste. Ouh. Trop cool. Oh, un casque! Yes, comme ça je ressemble à un clodo maintenant. Un clodo avec un chapeau de chantier. Comme Galak. C'est quoi ça? Thermomètre? Medical thermometer. Ben, je vais me le foutre là où je pense. Je peux l'utiliser? Vas-y, use. Fous-toi-le. Ben, depuis quand ça s'utilise au bras un thermomètre? C'est pas là que je les utilise moi les thermomètres. Thermomètre display 35,9. Ah, c'est bas, hein. C'est pas terrible. Salut The Prince. Elles sont comment mes godasses? Elles sont pristines alors que là, elles sont damage. Ok, on va pas prendre les chaussures en cuir. Ah, mais c'est quoi ce mec qui utilise un thermomètre sous le bras quoi? Dans le cul le thermomètre! Allez, je ref, sachant que je suis à poil, donc j'ai pas peur de crever. Et quoi ça? Oh putain, génial! Oh merde, je me suis fait choper. Mais tu la chopes ou pas cette putain de clé à pipe là? Et quoi ça? Charcoal colle, ça c'est bon. Ouais, voilà, charmé.
Bon, le Sledgehammer ou l'autre? Lui il est Worn. Lui il est Damage. Allez, on va remplacer par le Sledgehammer. Ça c'est quoi ça? Blue Bandana. On fait des rags avec ça. Et un chapeau. Bon, on va garder le chapeau de chantier, c'est plus classe. J'ai quoi là? Poche de sang? Heat pack, hein? Non, c'est pour se réchauffer. Ah ouais, sachant que ma température était basse. Ah, receiving. Take heat pack, allez hop. Putain, qu'est-ce que j'ai? J'ai des boots, j'ai un chapeau, putain. Bon, je lis pas trop le chat là. Ouais. Donc allez, on va remplacer par ces boots, c'est plus classe quand même. C'est quoi ça? Un t-shirt beige. Ouais, allez, on va mettre le t-shirt. Un bonnet, voilà, ça fait. Où ça? Ouais, allez, comme ça. Ouais, j'ai la classe comme ça. Oula, putain, qu'est-ce qui se passe? Ça rame. Oh, une bouteille de flotte. Oh, une bouteille de flotte. Oh, ça c'est bon. Un promptly cooling off, donc le mec a froid. Oui, c'est bien, mais désolé. Black track suit pants. Non, c'est de la merde parce que là j'ai que deux trucs. Et ça, c'est quoi? Ah, mais t'auras moins froid avec celui-là. Voilà. C'est avec ça, tu me dis que t'as froid encore? Hop, petit saut de cabri. Ça, c'est des pommiers, ça. Ah, bouffe des pommes. Des pommes. Et ils sont où les pommes? Il y a des pommes. Il y a même pas de pommes, quoi. F1 fin de signe. Oh putain. Bon, le zombie il est là-bas. Il m'a pas vu. Hop, hop. Allez, ferme la porte. Y a rien. Ok, ça c'est une fausse porte. Non. Magnifique. Magnifique pot. Il y a juste que dalle. Mais I feel hungry, oui, mais ta gueule. Y a pas de pomme, y a rien. Je peux rien y faire là. Ah, le moteur Arma, made in 100% République tchèque. Fini la pisse. Et comment ça la pisse? Allez, saute. Ah, je vois Shadback qui joue Arma 3, ça a dû lui donner envie. Oh, des canettes! Oh, des canettes! On va s'enfermer pour voir des canettes. Allez. Un petit sprite. Non, un petit sprite plutôt. Non mais Z, c'est même pas que le moteur balance tout sur le processeur, c'est que mon processeur tourne à 25%. C'est qu'il balance rien du tout, quoi. Allez, on va drink un Coca-Cola. Ok, j'ai de la flotte. Enfin non, j'ai plus de flotte. Mais il doit y avoir une fontaine dans le village, il suffit de la trouver. Ah putain, il y a un zombie là-bas encore. Ah merde! Ah mais... Ah... Mais tu vas la sortir, ta pute... Oh! Bon, je me suis fait baiser, je l'ai pas mis en raccourci, je crois, le maillet. Mais... Ah putain. Ouais, je suis un multicœur, Zod, mais...
J'ai tenté de le tweaker, j'arrive encore à misérablement 60 FPS quand je suis en pleine cambrousse et je tombe à 20 FPS en pleine ville. Mais oh putain, il s'est barré. Mais couche-toi! Hop, on va mettre le sledgehammer là. Je sais pas où il est parti. Il est parti. Je ne saigne pas, j'ai juste la dalle. Ah putain, il est là. Il m'a retrouvé. Non, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. C'est moi, je suis. Putain, je ferais mieux que je lève 4 dead qu'à ça, quoi. Mais et putain. Mais putain, mais tu vas la sortir, ta putain d'arme! Je me souviens encore de la première version de la hache qu'ils avaient sorti dans. Ça doit être dans le mode où c'était juste un fusil à pompe skinné, le truc où ils avaient juste diminué le bruit, quoi. C'était trop énorme, ça faisait le bruit dans le fusil à pompe, ça avait puf, puf! Ils avaient pris un fusil à pompe, ils avaient skinné un hache et ils avaient mis un bruit de silencieux. C'était magnifique. Donc voilà, j'ai tué un zombie, c'est cool. Ça a touché un peu. Assez en tout cas pour que je survive. J'ai encore un hit pack, je m'en tape les couilles de ce truc. Oh putain! Ah, je saigne. Mais putain. Putain. Prends ça. Donc, je prends des bandages. Ah, bon. Putain, il est encore bleeding. Non, c'est bon, il est plus bleeding. Voilà. Range ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux le prendre ça? Non, c'est un paillasson. Oh! Super! Une veste! Je peux pas la prendre. Super! Ça sert à rien en fait, puisque ça va remplir mon. Ouais, en fait, non, c'est naze. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? Green pepper seed! Qu'est-ce que j'en ai à foutre des graines quoi? On peut les bouffer? Non, on peut pas les bouffer. Oui, je crois que tu peux planter des graines pour faire pousser des tomates. Ou green pepper, c'est quoi? C'est poivron? Poivron vert? Donc, ils ont rejeté un truc pour faire pousser des plantes. Mais putain, ils se concentrent pas sur le cœur du jeu, ces abrutis! Ah, parfait. Juste que ce que je cherchais. Mais pourquoi ce con il enjambe quoi? Ah, mais accroupi, accroupi. Voilà. Ah non, mais les maisons c'est du copier-coller, Rada, c'est pas. C'est pas. Elles sont pas toutes, toutes différentes, hein. C'est vraiment du copier-coller, t'es pas dans GTA où c'est fini à l'extrême, hein. C'est des mecs de République Tchèque, ils ont fait copier-coller sur les baraques et. Allez, bois! Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est du copier-coller, hein. Un prompli courrier le cooling off, mais je m'en tape. Ouais, le stream, moi je vends le jeu, je montre la réalité. De toute façon, c'est un stream de merde, pour un jeu de merde aujourd'hui. Moi aussi, je vais faire comme Mister MV, les jeux finis à la pisse. Parce que lui, il a été commencé à la pisse aussi. Non, c'est pas vrai. Au début, il était fun quand même. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas continué. Enfin, ils se concentrent pas sur les mécaniques essentielles. Et ensuite, tu te concentres sur les détails et sur l'enrobage. Mais une fois que le cœur marche. Ah non, mais de toute façon, faut boire tant qu'il te dit qu'il a plus soif et que son ventre est plein. Sinon, tu continues. Sinon, dans 3 minutes, il va encore chialer parce qu'il a soif. Donc, tu bois.
Allez, bois, bois, bois. Donc voilà, ils ont fait des super animations pour boire, parce qu'avant ça y était pas dans l'animation pour. Où il met les mains là, voilà quoi. Avant t'avais juste, t'avais pas d'animation quoi. Tu disais j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai plus soif. Donc maintenant ils ont refait ces animations et. Allez, quelle heure là? Allez, que 21h53, putain. Ça va être long les 2 heures de stream, hein. Ouais, le jeu est pas encore fini, mais ça fait combien de temps qu'il est sorti? Il est en early access? Un an et demi? C'était quoi, en décembre 2013, non? Ouais, c'est presque un stream punition. En fait, la punition, c'est de l'avoir acheté. Et je me dis, il faut quand même que j'y joue. C'est ça ma punition. Ah, I feel really full, parfait. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste prendre la bouteille de flotte. Tac, je la prends dans les mains. Et je dois pouvoir la remplir. Voilà, donc là je remplis la bouteille. Et là j'ai une bouteille remplie à 100% de flotte. Et voilà. Hop. On va regarder un peu, mais je pense qu'on va. On va continuer tout droit. On va trouver une autre ville. Donc là il y a une autre veste que je m'en fous puisque j'en ai déjà une. J'aimerais juste trouver un poil à bouffer quoi. Qu'est-ce que c'est ce truc? Atlas bipode, mais une bipode pour un arbre que j'ai pas, je m'en tape un peu. Franchement je trouverais une boîte de cassoulet, ça je préférerais quoi. Un autre thermomètre pour que je me le foute là où je pense. Vas-y, use. Juste pour voir si j'ai augmenté ma température ou pas. J'étais à combien tout à l'heure? 35,9, un truc comme ça? Ah, 35,3, ça baisse, hein, ça baisse. Donc le mec il. Ouais, putain. Hop, c'est bon, il a laissé tomber. Ah non, mais je m'en tape. Faut pas garder ça. Hop, hop, ça dégage. J'ai pas visité cette baraque. De toute façon, on va pas rester trop longtemps ici. Il y a plus rien à bouffer. Ouais, non, c'est de la merde ça. Je veux juste le nom du village et. Oui, c'est un vrai jeu en ligne. Puisque là, je suis sur un vrai serveur où il y a toutes ces personnes là. Sauf qu'on est 10-15 sur 200 km². Donc, va croiser des mecs après. Bon, ok, je suis au village de Tinfa. Donc là, un petit coup de sur mon smartphone de map. Vous me dites si on m'attaque. Hein. Maintenant faut que je trouve. Putain, si je suis où là? Alors. Tinfa, c'est où ça? Oh putain que ça rame. Bon, je vois rien sur le smartphone, c'est cool. Bon, tant pis. Je vais me foutre dans les bois, je vais le taber, ça ira plus vite. Hein. J'ai dit quoi? Tinfa. Tinfa. Hop. Donc je me cache. J'ai le tab, retour dans 30 secondes, 5 minutes. Sinon, je crois que je vais pas m'en sortir.
Non, il n'y a pas de carte dans le jeu Bardock. Enfin, tu peux trouver la carte, mais elle n'est pas intégrée, quoi. Il faut que tu trouves l'item carte. Et après, il faut que tu trouves aussi l'item boussole qui peut beaucoup t'aider. Mais sinon, vous pouvez regarder comme moi en ce moment, dzdb.com/map, et vous aurez la carte du jeu. Et c'est là où il faut que je trouve Tenfa, qui doit être au sud. C'est quoi cette putain de ville là? Ça a l'air d'être ça, on dirait. C'était Pusta? Apparemment, ça se dit Pusta. Ok. On va dire que c'est Pusta. J'espère que c'est ça. Alors, j'espère que je suis encore vivant. Ouais, je suis vivant. Donc, je vérifie, j'ai mis la map sur l'autre côté. Pas sûr que ça soit ça en fait. Putain de Cyrillique, quoi. C'est pas grave, on va continuer. Pop, pop, pop. Par où on va aller? On va aller par en haut là. On va suivre ce chemin. Ah, le chat affiche du browser. Oui, je sais pas pourquoi ça marche. Ça marche mieux là, peut-être. Oui, il faut chercher son chemin sur Google Maps en fait. Bon, bah, on va rusher et on va y aller à l'ancienne, sans rien. Mais ouais, en fait, sinon, moi j'utilise la map dzdb.com/map à côté pour se repérer. Sinon, tu peux rien faire. Faut dire la vérité. C'est une fois. Ah putain, il y a un zombie là-bas. Oh, bah, allez, on continue par en haut. Je sais pas, j'ai envie. Il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. La carte dans le jeu, je sais pas, j'ai jamais trouvé. Mais je me demande si c'est même la carte en entier qui existe. Je me demande si c'est pas des bouts de carte en plus qui existent. Style juste le sud, le nord, l'est, ouest, mais pas la carte en entier. Donc tu faut que t'en trouves plusieurs. De toute façon, le nord, la côte est par là. Donc on va rusher plein nord, on tombera bien sur un village quoi. On va essayer de rester en hauteur. Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Bon, mon mec est asthmatique, c'est mal barré. C'est dur la survie dans l'Ukraine post-apocalyptique. Ah mais je me suis fait baiser, non? Je reviens vers la côte là. Merde. Bah je crois que je suis parti dans le mauvais sens. J'ai un putain de sale orientation moi. Attendez 30 secondes, faut que je me mouche. Ah ça va mieux. Je sais pas si c'est l'Ukraine, la Russie, Tchernarus, je sais plus de quoi sur base, peut-être la République tchèque, enfin, et puis de l'Est, quoi, du Ruskov.
Ah putain, je sens que je vais me paumer dans les bois là, c'est. Il y a des véhicules, mais il faut les trouver. En général, ils sont pas en bon état. Il faut les réparer toi-même. Avec un peu de chance, tu peux trouver un vélo, mais il y a tellement de loot sur les. Putain, je sens que je suis complètement paumé. Je vais tourner en rond. Je sais pas pourquoi je sens que je vais tourner en putain de rond. Bon, allez, je rush par là, j'ai envie. Je sais même pas si c'est un scénario in-game, mais après faut chercher sur internet, ils disent sur quelle zone ça se base, mais c'est par contre c'est très fidèle. J'ai vu la zone en vrai et c'est vraiment fidèle à la reproduction. Bien sûr, j'ai pas de jumelles, donc je sais pas si c'est juste du brouillard parce que le moteur peut pas afficher plus loin ou si c'est la mer. Si je monte, je vais retomber sur mon village là-bas. J'ai deux doigts encore de me ressusciter pour relancer une nouvelle partie. Et je peux même pas me suicider avec mon maillet. Oui, je crois que je tourne en rond là. Je crois que je reviens vers la côte encore une fois. Oh, l'avantage c'est qu'il y aura de quoi faire des gifs avec toutes les merdes que j'ai fait aujourd'hui. Alors pourquoi c'est pas bien la plage Eric, Elric, Pascal, Arcane, Elric et. Ton pseudo est trop compliqué pour moi. C'est pas bien la plage parce que. Je sais pas si t'as vu la carte du jeu, en fait la plage est au sud. En fait est au sud et à l'est. Et les nouveaux spawns. Tu spawns sur la plage. Donc grosso modo, c'est les zones près de la plage où il y a le moins à bouffer, parce que tout le monde dit, parce que tout le monde spawn au sud et remonte vers l'intérieur des terres. Et c'est les premières zones qui sont lootées, donc c'est là où t'as le moins de loot. Donc c'est là où faut pas aller, faut vite se barrer à l'intérieur des terres. Bon, j'arrive dans une clairière. Déjà c'est pas trop mal. Je sors. Avec un peu de chance, je verrai une ville. Ou pas. Au moins un pommier. Y'a pas des baies? Des baies? T'as des baies toi? Ouais, je peux chercher des baies. Allez, des baies. File-moi des baies. Y'a des baies. Aya! Aya, found something! Ah, j'ai trouvé des baies! Oh putain, je pouffe les baies. Bon, je vais choper la chiasse, mais bon. Ah, c'est vrai que j'avais oublié l'histoire des. Des développeurs qui étaient à l'Antole en Grèce, tout ça parce qu'ils avaient pris en photo une base militaire. Ouais, pas des épées, des baies. Pas des pommiers. Ça lag? Parce que bon, ça doit laguer, je dois être à. Ah, je suis à 30 FPS! 30 FPS tout court là. Donc, ouais, ça lag plus ou moins, mais. Là encore, ça va, je suis dans la moyenne haute, je suis à 30 FPS. Il y a quoi là? Une barrique, je sais pas trop quoi. On va essayer d'aller vers les hauteurs. Oh, il y a un truc là, une barrique. Ah, il fait la grille, oui, moi aussi. Je suis pas Montpellier, hein. Oh, Rada, oh, je suis Perpignanais, hein. Et j'ai trouvé un chapal. Tanker Helmet. Ah ouais! Et ça fout quoi, ça? C'est un truc de rugbyman, ça?
Et... Ouais, bon... ouais, non, et encore le gilet de presse, il est pourri ce truc. Ah non, chez moi c'est les pains au chocolat, c'est pas les chocolatines, hein. Je suis pas toulousain non plus. Oh. Y a que des montagnes, ah, mais sur toute la map y a que des montagnes de Kiev, c'est les pays de l'Est. C'est pas. T'as un peu de plage, mais après c'est que de la montagne. Hein. Oui, les Toulousains et les Bordelais, c'est pas. Oui, c'est dit chocolatine à Bordeaux aussi. Mais à Perpignan, on dit pain au chocolat, donc attention. Non, mais c'est bien, on se promène. C'est la randonnée du geek Daisy. Il fait pas en vrai, il fait virtuel. Oh putain! De la civilisation! Allez, dis-moi qu'il y a des trucs. Ok, j'ai trouvé encore un thermomètre. Ouh. Ouais, non, je vais même pas prendre ma température, j'en ai marre. Et j'ai trouvé. Oh putain, sac à dos! Oh parfait! Ça, par contre, ça sert. Ça, il y en a grand besoin. Ça, c'est quoi? Electric Cattle Prod. Je sais pas comment ça marche, mais. Soit. Trousse de premier soin. Ah, oh, ça c'est bien aussi, ça. Je peux prendre plusieurs trucs. Je peux pas faire des sélections. Ouais, voilà. Il y a quoi là-dedans? Des bandages. Une seringue. Ça, c'est pour faire des transfusions sanguines. Ça, c'est pour faire des intraveineuses. Ouais, soit. Ah, je suis désolé, Radam. Mais... Ah non, Ducky, mais il n'y a pas de succès dans le jeu. Pas encore, en tout cas. Mais j'ai trouvé un super sac à dos. Narl, hein? Bon, y'a quoi dans la cabane au fond du jardin? Y'a rien, rien à bouffer. Allez, cours un peu. J'ai une masse, un beau sac à dos. Avec ça, je peux survivre. Il faudrait juste que je trouve un peu de bouffe. On va monter. Y a pas des baies? Des baies, des baies, des baies. Oh putain, ça c'est bien par contre. Ça, y a des armes là-dedans en général. Enfin, si on a de la chance. Par contre, c'est risqué. On peut se péter la jambe en redescendant. C'est tellement buggé. Ah, et y a juste. Ouais, y a des trucs là. Oh putain, y a un pistolet. Ouais, un flare guns. Un truc qui sert à rien. On va pouvoir cramer du zombie. Au moins, on va pouvoir se suicider avec ça. Un couteau à steak. Et des balles de 380. Donc, je dois avoir un pistolet qui doit être sans munitions. Oh, ouais, cool. Il a trouvé une chemise. Ah, t'auras pas froid avec une belle chemise, un bouquin. Et des bottes. C'est quoi ça? T-shirt, mais les t-shirts, on va faire des rags, ça peut servir. Donc j'ai crafté des rags, c'est cool. Hop, quelle belle animation pour sortir de la cabane. Hop, tu te téléportes. C'est quoi, c'est 4. I'm extremely hungry, mais t'as bouffé des bêtes tout à l'heure, ça te suffit pas? Putain, il tremble comme. Ok, pas de munitions. Allez, y a pas d'épée? D'épée, j'ai faim. Oh, y a.
GCD, ah non, c'est Battlelight, c'est rien. Ouais, t'as vu mon beau casque Cotorep et mon sac marine? J'ai la classe quand même. Je pense que Gracchus serait fier de moi. Ah, quoi que j'aurais pu choisir une gonzesse. Hein. On peut choisir hein, si tu veux jouer un mec ou une femme au début. Un black, une chinoise ou un européen. T'as le choix. Donc là, je commence à être vraiment dans le rouge côté en gris. Je suis bien inhydraté, mais j'ai rien bouffé. Pas de pomme, pas de baie. Oui, mon stomach. Qu'est-ce que vous diriez? Il est quelle heure? 22h13. Est-ce que je le suicide et on recommence une nouvelle partie? On verra si on trouve à bouffer ici. Il n'y a pas de zombies. Oh merde, j'ai rien dit quoi. Oh putain. Ah, ça touche. Ouais, c'est bon. Je saigne même pas. Ouf. T'es loin d'une ville, j'en ai aucune idée, je sais même pas où je suis. J'ai pas réussi à me repérer tout à l'heure. Alors, y'a quoi ici? Y'a rien quoi. Ici. Ah, par contre, il t'en veut des fringues et des chapales, Satana quoi. Allez hop, on va faire des rags. Si ça pouvait se bouffer les chapales, j'aurais plus la dalle. Un truc par terre. Ah, un coup de poing américain. Hop. Et y a rien bouffé. Je peux pas manger le foie, non. I'm starving. Ouais. Pas d'épée là. Quoi là? Un bouquin, ça se bouffe pas? Ah non, weapon clicking kit, je m'en tape, j'ai pas de weapon. Mais avant, il y a des fruits. Je me souviens, à une époque, il y avait plein de fruits. Tu mangeais des fruits pourris parce que tu trouvais rien d'autre, tu chopais la chiasse, mais ouais, t'avais plus faim quoi. Ah, il y a une ville là. Oh, parfait. Si là je trouve pas de quoi bouffer, c'est que je peux crever. Et ça, c'est. Injection Almada, moule de. Ces antibios, allez, on prend. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce que vous parlez de Zelda Wii U? Pour les vastes étendues sauvages, j'espère que le prochain Zelda sera quand même un poil mieux. Ah, encore une chemise. Ouh. Bon, ce qui est bien, c'est que déjà il me dit plus qu'il a froid. C'est un point positif. Et là, je tombe à 20 FPS parce que j'arrive dans une ville. Il doit afficher 3. Bon, il n'y a pas des pommes là. Il doit afficher 3 polygones de plus. Un advanced guessing. Oh putain. Allez, pommes, des pommes, des pommes! Ouais, y'a un camion, mais est-ce qu'il marche ton camion? Allez, tu gragras.
I'm starving, mais ta gueule. Ouais, il démarre. Je sais même pas comment je fais démarrer. Bon bah. Alors. Configure. Je crois que c'est la première fois que je commande un camion. Véhicule. Camera left. Ouais, j'avance, mais. Turning XC, turn out Z. Ouais, ça fait pas grand-chose. Ouais, je pense pas qu'il puisse démarrer là. Engine on. Hop, 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 ça démarre. Oh putain. Ouh. Vroom, vroom. Avec mes. Ah bah ouais, j'ai laissé les portières ouvertes. Hein. Je peux pas passer un bosquet, c'est vrai. Oh putain! Ah, en plus, la jauge d'essence est pleine. Hein. Vas-y le zombie, je vais me le faire là. Fous-toi au milieu de la route. Viens, viens, viens. Je plaf, merde. Ah merde, il est grimpé dessus. Il va m'attaquer. Ah voilà. Ah il est passé. Ah voilà, il est passé à travers le camion. Paf. Ça, c'est du moteur physique. Bon, faudrait peut-être que j'aille chercher à bouffer, quoi. Ouais, vas-y. Merde. Open driver doors. Oui. Merde. Ouvre. Get out. Ouais, c'est ça, je vais crever de faim, mais c'est pas grave, j'ai un camion quoi. J'ai un putain de camion, je crois que c'est la première fois que je conduis un camion quoi. Un camion qui démarre tout seul quoi. Limite, si je savais où j'étais, je pourrais même aller dans une ville et trouver de la bouffe, mais. Y a un camion quoi. Ah, encore un putain de thermomètre. Ah non, je crois que c'est un thermomètre, non, c'est. Ça va, c'est juste une seringue. Mais y a pas de bouffe quoi. Y a rien. Y a rien. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Du pain de frais, m'en fous. C'est quoi? Du bandage? Allez, on embarque. Carte stit, on embarque. Ça se bouffe pas, c'est pas grave. Ah merde, ah je peux chercher des berries. Ah mais je suis vraiment claqué hein. Oh non c'est bon, j'ai pas claqué. Il a trouvé des baies. Il n'y a pas de jauge de vide qui en fait c'est quand tu perds du sens et les coups tu le fais tu le vois avec les couleurs à l'écran ça devient de plus en plus gris. Et sinon, bah, il te le dit, là t'es en rouge, là tu vois, je suis un gris, un rouge, et. Et quand c'est trop rouge, bah, il te le dit, il claque tout seul, quoi, bum. Quoique non, je crois qu'il commence à perdre de la vie petit à petit, justement, l'écran baisse. Et après, bah, il claque, quoi. Je crois qu'on va prendre le camion, et on va se barrer. Hein. On va aller voir les grosses maisons là-bas. Ouais. Oh merde!
Mais hey, tu la sors ta pute. Alors que là, regarde, y a une putain de boîte de conserve là. J'ai enfin de trouver de la bouffe et je vais crever à cause d'un putain de zombie. Voilà. Je saigne même pas. C'est parfait. Et j'ai trouvé une putain de boîte de conserve. C'est bon, y a personne. Donc là, je sors. Qu'est-ce que je peux sortir? Allez, le couteau. Tac, tac. Attends, faut que je le mette là. Je peux pas le mettre là. Putain. Je suis pas remplacé, mais comment ça marche de merde? Ah, je peux pas ouvrir le steak knife, il sert à rien. Je peux pas ouvrir la boîte de conserve avec le steak knife. Je suis obligé d'ouvrir la boîte de conserve. Ah non, en fait, ça répond plus. Non, message reçu pour 33 secondes. Ok, je vais me faire kicker la partie. S'il faut, en fait, je vais me faire kicker de la partie et j'aurai même pas la boîte de conserve une fois que je serai relogué, quoi. Parce que là, le serveur, s'il faut, il est en train de rebooter. Donc, c'est pour ça qu'il répond plus. Donc là, dans quelques secondes, je vais me faire kicker. Donc s'il faut, quand je vais rebooter, il n'y aura plus le camion et il n'y aura plus la boîte de conserve. Mais il y aura peut-être du loot. C'est peut-être un reboot serveur. Et en fait, il faut pas un ouvre-boîte. Alors de qui tu peux ouvrir? Tu peux ouvrir la boîte avec le gros marteau que j'ai. T'en fous à moitié à côté, mais tu peux l'ouvrir. C'est ce que j'ai fait au début de la partie. Mais t'as raté ça. Bon, là, j'attends là. Ça kick de toute façon parce que ça sert à rien. Quand je vais me coucher, bah sinon je vais me faire bouffer par le zombie. Mais là, vu que j'ai aucune message, c'est le serveur qui doit rebooter, un truc comme ça. Voilà, 90 secondes, kické. J'ai perdu la connexion. Oh, magnifique. Il a la classe quand même, mon personnage. Hop. Et alors? History. C'était lui là? Ah, il y a qu'un père. Il y a qu'un. Ouais, il vient de rebooter parce que l'heure est à 9h et il n'y a qu'une seule personne. Donc là, il vient vraiment de rebooter quoi. Avec un peu de chance, par contre, on va trouver du loot. Donc. Alors, number one, est-ce que j'ai toujours ma boîte de conserve? Ah putain, je pars quoi? Mais c'est quoi ce truc? J'arrive sur la map. Mais. Ok. Ok, mais putain, le ping! Alors, est-ce que j'ai toujours ma boîte de conserve? Je n'ai pas ma boîte de conserve. C'est magnifique. J'avais trouvé une putain de boîte de conserve et je ne l'ai plus. C'est beau ça. Mais putain de jeu de merde! Mais putain de tasse! Bon, par contre, on peut se retaper. Ouais, le camion, il est où le camion? Il est le camion. Toujours là le camion? Je l'avais laissé là le camion. Il est plus là le camion. Il était là! Il était là! Ah putain, c'est bon, il a rebooté là. C'est bon, il a repopé. Il a repopé exactement au même endroit. Bon, on va refaire toutes les baraques pour trouver de la bouffe. Parce que comme le serveur a redémarré, on peut espérer que la bouffe va reposer aussi. Tout comme les zombies. Et quoi ça? Ah, par contre, ça c'est cool, ça c'est une boussole. Ça va servir. Hop, nickel. Ça c'est très utile. Ouais, un anorak, bah, ça tient plus chaud. Même si ça n'a pas trop la classe. Mais ouais, j'ai perdu ma boîte de conserve, quoi. Je suis dégoûté. Hein. Je trouve enfin de la bouffe et je la perds quoi.
Oh putain, une carabine. Vas-y. Un Maximilien gris, ouais, je sais, mais bon. Ouais, il y a juste pas munitions, mais bon. Soit j'ai déjà une carabine. Est-ce qu'on se refait toutes les baraques ou est-ce qu'on va faire du camion? C'est bien aussi le camion. Ouais, je crois que j'étais là dans celle-là. Ah non, j'étais pas. Oh! Putain! Ah, je peux pas la prendre? Ah merde. En fait, au lieu de sac à dos, je peux prendre la trousse pour les gosses. Pas mal. Allez, une petite boîte de conserve, quoi, s'il vous plaît. Elle est où l'entrée de cette baraque là? Il y a rien, putain. Il y a rien à looter. Yes, un casque. Ouais. Voilà. Là, moi, je risque moins. Ça sert à rien. On va quand même le prendre. J'ai pas trouvé une seule boîte de conserve dans tout le bled. Hein. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, j'ai des graines. Je peux pas les bouffer? Baxaline, je m'en fous. Ça c'est quoi? Du désinfectant? Du désinfectant en spray, truc qui va me servir vraiment beaucoup, je pense. Y a pas, y a rien, quoi. C'est pas possible. Pas une boîte de conserve. Attends, c'est tout à l'heure, c'est là que j'ai trouvé un truc. Avec un peu de chance, il y en aura encore une. Oh putain, une boîte de conserve. Oh yes. Ah yes. Donc je sors ma masse. Elle est où ma boîte de conserve? Tac. Je l'ouvre à hein, mon sledgehammer. J'en ai foutu la moitié à côté et je pouffe tout. Ah, miam, 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 miam. Ah, bonne boîte de conserve. Ça c'était bon. Voilà, bouffer ma boîte de conserve. Je suis content. Bon, j'ai toujours la dalle, mais. Donc là, il y a une paire d'escarpins. Je m'en fous. Ah, je peux pas prendre le masque à gaz, c'est quoi ça? Farming, oh. Ah ouais, c'est pour si tu veux cultiver des graines et tout ça. Voilà, j'ai plus la classe avec ça. Je fais peur. C'est un jeu de. Putain, un teddy bear quoi. Je peux prendre le teddy bear? Ah ouais, ça me fait un teddy bear, j'en ai rien à foutre. Bon, je sens qu'on va aller faire du camion là. Parce que. On va aller tâter un peu la physique du jeu. Je finis le village et on va aller faire un tour en camion. Ça sera le final explosif. Ah, une canette.
Au moins, bois un coup. Hop. Déjà, il est hydraté. Une petite bière, allez hop. Tu vas crever, alors autant t'envoyer une petite bière. Vous voyez que je peux quand même boire assez facilement à travers un masque à gaz. Ah, il y a encore un truc là. Sous la chaise, j'ai vu. Je l'ai vu sous la chaise. Voilà, Pepsi. Pepsi russe. C'est un banana. Allez. Rags. Cargo. Ah oui, les cargos, ça c'est bien. Parce que lui, il a 6 emplacements, le pantalon, au lieu de 4 pour mon jean. Ah merde. Hop. Donc on va échanger. Voilà. C'est quoi ce truc? Welting masque. Oh putain, masque de soudeur, encore mieux. Ah non, en fait, je peux mettre le masque de soudeur par-dessus le masque à gaz. C'est pas beau. Ça sert à rien, mais. Et c'est ça à quoi se font chier les développeurs, quoi, hein. D'assaut que j'ai déjà en fait, donc ça sert à rien. Hop, ça on l'a fait, on va faire ça là. On dirait vraiment un psychopathe, mon perso, quoi. Ah, bah, entre son masque à gaz et son truc de soudeur. Il y a des poules? J'entends des poules? On va aller se faire un petit poulet, hein. Rien. J'y arrive pas, j'entends des poules là. Oh putain, il s'est passé quoi? Je reviens à l'intérieur. Oula, je crois que le serveur. Oula. Le rubber banding, ça va quoi, tranquille. Ouais, Bloodsome. Il y a des poules, j'ai entendu des poules là. J'entends des poules, moi, je rêve pas. Ils ont foutu les bruitages des poules sans les poules? La poule! Putain, je vais me la faire. La touche pas! Voilà! Voilà, j'ai bouffé la poule! Ah, la connasse de poule! Bon, elle est où là? Je vais me faire un petit poulet là! Il crève la dalle quoi! Putain, mais il va se la prendre la poule! Je peux pas prendre la putain de poule là? Ah merde. Et putain, je le voyais tout à l'heure l'icône là. Hide body, je veux pas hide body. Du content et je peux pas choper la poule là. Et y a à bouffer sur la poule quoi. Putain, mais je peux même pas bouffer une poule. Quoi, Rada, tu feras tout pour montrer cet événement? Oui, j'ai la dalle là quoi. Ah là oui c'est. Je suis pas sûr que ce soit au max Bloodsome parce que j'ai dû baisser peut-être un peu les graphismes pour dépasser les 20 FPS en ville. Là je suis à 23 tu vois donc j'ai fait des compromis. Ouais. Bon alors le mec est sur le point de crever dans ce que je vais faire. Oh putain des balles. Est-ce que je peux mettre les balles?
Donc apparemment j'ai mis les balles. Merde. Hop, tac. Ah merde, ça rentre pas en fait, j'avais pas vu le message. Bon, donc c'est pas les bonnes balles pour le bon fusil. Donc là je vais très bientôt crever, et il n'y a rien à bouffer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon camion et je vais me tirer. Oui, tu peux hide body les trucs, normalement tu peux hide body des mecs et les mettre sous le sol. Mais sur une poule, ça sert pas à grand chose. Parce que j'aurais bien aimé la bouffer cette putain de poule. Oh, une pioche. Une pioche. Une pioche pristine. Parfait. On remplace mon truc par la pioche. Ce jeu te fait devenir sadique. J'ai eu une pulsion incontrôlable contre une poule. Oui, j'avoue, j'ai voulu manger une poule. C'est quoi ça? Un chapal. Donc, bilan du village, j'ai trouvé 3 canettes et une boîte de conserve. C'était bien. Ah, 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 qu'est-ce que c'est ça? Ah, ah, oh, des pâtes! C'est des pâtes! Du riz, c'est encore mieux! Itol, bouffe tout le riz! Bon, là, il fait pas cuire, hein. Il en a rien à foutre, il bouffe son riz. Hein. À travers un masque à gaz et un truc de soudeur. Il a bu, il a mangé tout le riz. Parfait. Oh, et parfait, il a plus faim. Bon, ben voilà. J'aurais bien aimé trouver la fontaine. Il doit en avoir une dans le coin, mais je l'ai pas trouvé. Pour boire un coup, mais bon, c'est pas... Bon, go camion, là, il est 22h39, allez, on va faire un tour en camion. Un honneur autopique PC et son fameux poète-poète du moment, on va faire un tour en camion. Elle est où cette putain de fontaine, tant pis. J'aurais bien aimé la trouver, mais bon. Il était où déjà? Il était là-bas. Ah merde. Oh putain. Je me suis fait baiser, je l'ai pas mis raccourci le truc. Allez, sors là. Putain, je vais crever avant de monter dans le camion. Allez. Je le vois même plus. C'est bon, il est mort. Je suis juste en train de crever. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne saigne plus, je ne saigne plus. Tout va bien. Messieurs, tout va bien. Messieurs et mesdames, je ne sais pas si Ducky est encore là. Un truc là? Non, j'avais cru. J'avais cru. Non, j'ai pas. Je m'en dans le camion. Je m'en dans le camion. Hop. Alors, close driver, c'est bien. Engine. Alors, droite ou gauche? Par où on va? Ah, je sais. 2, 3, 4, 5. Ah, il peut pas sortir sa putain de boussole là. Ouais, c'est pas grave. Ah, putain, on accélère là. Bloodsam, ouais, on pouvait conduire avant dans le mode Arma 2, tu pouvais conduire. Pas dans les premières versions du standalone. Là, ils l'ont rajouté. Y'a combien de joueurs sur la map? Ah, on est une 15-20 là.
quand même fermé toutes les portières cette fois. Pas comme tout à l'heure. Et boum boum boum. Trop la classe. Ah cool ça, moi. Je vais aller voir s'il y a peut-être des armes là-dedans. Allez, get out. T'as ma manette qui se met à vibrer, je sais pas pourquoi. Pourtant, je croyais que j'avais désactivé les vibrations pour le jeu. Et y a rien du tout. Et un bouquin. Super. Je ne me pète pas la jambe, je ne me pète pas la jambe. Putain. C'est compliqué. Hein. Attention. Ah, c'est bon, c'est bon. Non, je joue pas à la manette, mais j'ai la manette qui est branchée sur le PC juste à côté. En fait, c'est pour ça que quand je fais échappe, il y a les boutons de la manette qui apparaissent parce qu'elle est branchée. Là, je joue au clavier souris, mais pourtant, il me semblait que dans configuration, j'avais viré. J'avais viré justement les vibrations. Ouais, je sais pas. Vas-y, grimpe. Alors, close driver door. Engine on. Et c'est parti. Allez. Bon, il met un peu de temps à démarrer. Hein. Petite balade à Tchernarus. Bon, on va par où? Ah putain, oh ça lag. Ah, je vais me prendre l'arme, je vais me prendre l'arme. Ah, l'essence. Ah, ça va, ça n'est pas descendu beaucoup là. J'étais quasiment attaqué. Ah, un zombie. Plaf! Ah putain, il a évité! Marche arrière, marche arrière! Ah. Plaf! Voilà! Et deuxième! Oh non, il est passé à travers! Ah. Ah. C'est bon, plaf! Il y a quoi qui se casse là? Bon, on va avancer un peu, j'ai plus faim donc c'est bon. Ah là, on va prendre peut-être la route principale plutôt. Parce que je vais pas prendre le chemin de terre, on va plutôt prendre le chemin goudronné. Ah, oh, putain, ça tombe pas. Ouf. Je roule au pif comme un gros blaireau et je sais pas du tout où je vais. Oh, il y a une grosse baraque là, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh merde! Zombie, zombie, zombie! Et voilà, ils sont morts! Et là j'avance mais le camion veut pas. Putain, comme les zombies glissent sur la route quoi. C'est nul. C'est nul ce jeu.
Allez. Ah, sors. Get out. Bon, y'a quoi? Un fluff to Kalak à 4 km et wap hop K à 1 km. Ok. On va aller à non compliqué, je pense que c'est plus long donc la ville doit être plus grande. Y'a quoi là? Oh, un chargeur! Oh putain! Oh putain! Ah, je suis bloqué! Mais sors ta putain d'arme là! Mais le 1! Mais que avance! Putain! Ok, je saigne maintenant. C'est bon, c'est bon. Ouah! Y'a pas quelqu'un qui veut regarder sur la map où est la ville de Vakovska et la ville de Etaskopoproskarakak? Si laquelle est la plus grande, histoire qu'on aille s'amuser quoi. Pour regarder juste sur dzfd.com/map/ je sais plus quoi. Si vous arrivez à trouver quelle ville est... Oh, une prison. Oh, mais il y a plein de trucs là. Des clés. Télescopique bâton. Ouais, ça peut servir ça. Ah, j'ai plus la place. Ah putain, oui, je suis plein avec les clés des menottes, ça peut servir si tu te fais prendre. Un thermomètre. Une paire de monotes, une radio, un talkie-walkie. Paire de monotes, des clés. J'ai pas d'armes. Même pas de bouffe, des graines. Salut Ducky, bonne nuit. Bon, il y a des monotes, ouais, parce que tu peux menoter des mecs. Uniform pants, ouais, mais ça sert pas des masses. Attends, franchement, ça on s'en tape les couilles. Ça, j'ai pas les munitions qui vont avec. Donc, ça, je suppose que ça doit pas aller là-dedans. Non. Ça, je suppose que le truc de MP5 qui va pas dans mon shorter. Donc j'ai trouvé un peu d'armes, mais j'ai toujours pas trouvé de bouffe. Encore des munitions. Faites qu'un full pants, s'en tape. Pas un truc là. Stun bâton. Un bâton encore. C'est quoi ça? Un MP5 compensateur, on s'en tape puisque j'ai pas de MP5. Là, je vais me prendre un headshot. Je vais pas comprendre où il sort. Laisse-moi lire l'autre nom, je te dis. Ok, radage, je redescends. Là, en espérant qu'il n'y ait pas de river bending, parce que des fois on traverse l'étage et paf, on tombe, jambe cassée et t'es mort. Non, c'était par l'autre côté que j'ai dû rentrer. Merde, par où je suis passé. Bon, c'est pas grave. Il est où mon camion? Where is my truck? Alors, on a le choix. Tu as le choix entre Vakovka et Kovkovkovkovkovka. Bonne nuit, Bloodsam. Electrozadosk.
Et au-dessus, c'est quoi? Chakovka est plus petite. C'est au sud, c'est au nord. On va à Elektrovadovsk. On risque de croiser plus de gens. Et allez, en route pour Elektrovadovsk. C'est sur la côte et c'est plus grand. Ah oui, je crois que c'est les villes côtières où il y a plein de monde. Allez, on va à Elektrovadovsk, on va crever là-bas. Vu qu'il reste que 10 minutes et j'arrête bientôt, on va faire un tour à Elektrovadovsk. Alors, engine on. On ferme la porte, on y va. Ouais, Electro, c'est la ville de tout au sud et c'est là où il y a plein de gens, des fois, plein de pillards. Et de bandits. Donc on va essayer d'y aller. Si on croise des gens, ça risque d'être là-bas. Donc autant finir en beauté, ce serait. On pourrait aller visiter là. Il n'y a rien à choper là. Allez, on va Electro, il y a 4 km. Essayons d'arriver en vie déjà. Il y a, si, y a de, enfin, la station, c'est bon, je suis plein là, ça va. C'est con, il n'y a pas d'autoradio. Je suis un routier polonais. Un peu de musique là. Pas grand monde sur la route. Hein. Oh, un petit lac. On pourra aller pêcher. Mais j'ai pas le canne à pêche, j'ai vu qu'un hameçon. Ah putain, je vais prendre la borne. J'espère que c'est pas trop loin. Hein. Ah, c'est par où? On va ralentir. Encore 2 km. Ah, non, à gauche. Ah non, merde. Ah, trop tourné. J'espère que ça sera plus précis dans le GTA, hein, parce que là. Je suis à 22 FPS. Ouais, il a froid. Là. Pourtant, il doit faire chaud dans le camion. Ouais, 50, ça va. Je les dépasse pas. Je respecte la limitation. Ah, il y a même barrage. Il y a des coins jolis quand même. Oh, il y a encore 2 km, on n'est pas arrivé. Ça va, j'ai de l'essence. Ouais, ça va. Ouais, je dépasse les 60. Hein. Enfin, il manque qu'à 80 le truc. 70 km/h là, je vais avoir un accident. Ouais. On va pas tarder à arriver là. J'espère qu'un jour quand même il sera fini ce jeu, ouais. C'est vrai que ça aurait pu être vraiment beau, hein. Mais on fera ça la semaine prochaine sur GTA et là ça va marcher, tu vois. Il n'y aura pas de zombies, mais c'est pas grave. Peut-être que dans quelques années ils auront tout fini. J'y crois plus, mais... C'est ça, électro machin? Ah ouais, ça a l'air. Bon bah on va rentrer, on va voir s'il y a des gens. On peut klaxonner? Ah, on peut pas klaxonner. C'est quand j'aurais. Hop! Oh putain! Oh là là! Oh putain! Oh là là! Oh là là! La manette qui vibre. Ouh!
ce magnifique moteur physique. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai repris le contrôle de la situation. Tout va bien, tout va bien. Ça va. Juste une petite embardée. Comment ce qui est bien, c'est qu'il se passe des trucs imprévus. Oh là, je tombe à 15 FPS. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le stream qui rame, c'est mon jeu. Ah, je me fais poursuivre par des zombies. Alors, on va aller au milieu du village et on va attendre. Enfin, au milieu de la ville plutôt. Là, je viens de passer un mode slideshow. Je suis tombé à 10 FPS. Y a-t-il des gens? Eh les gens, venez! Venez me tirer dessus pour que je meure. Oh putain, ça rame. Je suis en train d'attirer tous les zombies du coin. Ah mais là c'est une horreur, là je suis à 10 FPS quoi. Je paf et hop, il passe à travers. Paf, paf. Tac. Paf, allez, zombie à moi. Ah, j'ai pas trouvé pour klaxonner. Ah merde, encore des zombies. Personne. Putain, je pensais qu'il y aurait des gens. Ah, clic droit, ça fait rien. Et là, j'ai rien. Tout passager, engine off. Je peux rien faire. Personne dans ce bled. Allez, on va se suicider. Finissons à beauté. Bleu, 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 bleu. Il est 23h01. Voyons le fond de la mer. Ma body feels wet. C'est un peu normal, je crois. Je roule au fond de l'eau, il dit rien. Il est 23h, il est temps de finir le stream. Vous remarquerez que le mec, ça roule et le mec n'a rien dit. Je sais plus du tout où je suis. Ah, c'est nul. Et là, je suis ressorti. On me tire dessus là. Ah, je crois qu'on me tire dessus. Attends, je vais aller dire bonjour quand même. Bonjour. Bonjour. Youhou. S'il y a quelqu'un, venez me tirer. Youhou. Youhou. J'avais entendu des bruits de tir. Allez, viens me bouffer, toi.
Ah merde, ça va pas rouler. Ah, c'est bon. Putain, il veut pas grimper la côte, le con. Oui, c'est peut-être pas sur moi qu'on tirait non plus, hein. Mais il me semble que c'était quand même des tirs. Je voulais finir en beauté sur le me noyer, mais je peux même pas. T'as vu des flashs de tir? Moi j'ai entendu les sons, mais... Le moteur est dans un sale état. Ça c'est du zombie solide. Bon bah là au moins c'est fait, je suis bloqué. Bon bah get out, j'ai pas trop de choix. Hein. Ah bah je peux même pas faire get out en fait. On va quand même arrêter le moteur. Ok, je suis bloqué. Et get out. Ah c'est bon, il peut sortir. Bon. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je peux tenter les animations de suicide, mais je crois que ça ne marche pas avec la pioche. Ta. Bon, ça ne marche pas. Ah, il recommence. Pas. Mais non. J'ai un pistolet d'alarme, mais il est vide. Merde, c'est pas là. 6. Oula. Ah. Bah voilà, une personne. Voilà. J'ai rencontré un être humain. C'est fini. Et voilà, c'est sur ce que se termine le magnifique stream. Et... Close. Ouais, il me loupe à 5 mètres, mais bon. Je peux pas revenir au menu. Yes. Voilà, oui, il m'a loupé à mort, le mec, mais bon, en même temps, quand ça rame comme ça... C'est pas un FPS ultra précis, là je veux pas dire, hein, bon, il y a tellement de ping, et même moi je dois avoir un max de ping, donc je l'en veux pas. Donc c'est sur magnifique, cette magnifique escapade à travers électro machin, on a vogué dans la mer, un camion, on a terminé par un... quand même, le camion qui s'est explosé contre un zombie qui a volé et qui s'est atterri sur une clôture, et juste quand on est sorti on s'est fait abattre par le seul mec de la partie que j'ai croisé. Donc quand même ça a été un bon stream pourri je dirais. Un bon stream de merde où il y a de quoi faire des kiffs. Merci à tous ceux qui ont perdu 2 heures de leur temps à venir me voir. Peut-être que je recommencerai en fait, c'était bien sympa tellement c'était pourri. On s'est bien marré. Donc ouais, peut-être un de ces jours pour les futurs builds, pourquoi pas recommencer. En tout cas en attendant, moi je vous dis rendez-vous. Mardi prochain pour GTA 5. Donc là par contre ça va être plus sérieux, ça va, sortie du jeu mardi prochain. Et le but du stream ça va être de voir que vaut le portage technique. Ouais, donc au niveau technique, est-ce que c'est bien optimisé ou pas, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que ça tourne bien, j'espère que ça tourne mieux que DayZ. Donc ouais, pourquoi pas Radas sur un serveur plus blindé. La prochaine fois, ouais, pourquoi pas. Donc ouais, GTA 5, on verra la semaine prochaine. Donc qu'est-ce que ça vaut au niveau technique, le portage, est-ce que c'est bien fait, premières impressions sur le jeu. Donc je vais mettre le replay en ligne, si possible, si ça marchait en 720p.
et 60 FPS qui serviront à rien puisque je dépassais pas les 20-30 du jeu. Mais bon, ça sera comme ça. Donc je vous souhaite merci d'être venu. Merci à tous ceux qui étaient là. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à mardi prochain. Allez, salut, à plus.